Bonjour à tous et bienvenue pour ce 27e épisode de notre série du défi des 28 jours. Aujourd'hui, ce dont j'aimerais vous parler, eh bien, c'est des prouesses technologiques que nous bénéficions chaque jour, à savoir déjà par exemple par ce petit appareil, ce smartphone, qui est à lui seul une véritable entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un véritable studio d'enregistrement. Vous pouvez tourner des vidéos, vous pouvez naturellement téléphoner, c'est quand même le but, mais vous pouvez aussi enregistrer de l'audio, regarder des photos, bref, aller sur le web, faire des montages, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Je me souviens quand j'ai commencé mon activité professionnelle, c'était dans la production vidéo et il me fallait me munir effectivement d'un équipement très très onéreux, un équipement qui demandait déjà de grosses connaissances techniques et puis surtout, je vous dis, beaucoup de moyens puisque une société de production fonctionnait avec du matériel. Alors bien souvent, on le louait, mais généralement, on en possédait aussi une partie, ne serait-ce que pour le montage. Et les premiers appareils qu'on utilisait, bah, c'était effectivement des studios de montage liés et couplés à de l'informatique. On était à nos premiers, je dirais, nos premiers appareils grand public ou semi-professionnels et c'était extrêmement coûteux. Et maintenant, effectivement, on a du matériel beaucoup plus perfectionné avec des applications extraordinaires. Vous pouvez créer un générique, vous pouvez mixer de la musique, vous pouvez monter des séquences vidéo ou même des séquences photos. Et puis tout cela, eh bien, vous les mélangez, je dirais, dans votre smartphone et vous obtenez un résultat qui n'est pas si mal que ça, puisque de souvenir, il me semble qu'il y a même eu des films cinématographiques qui ont été tournés à partir d'iPhone 6. Voilà, donc c'était juste une petite remarque que je voulais vous faire en soulignant l'intérêt que nous avions à avoir dans notre poche des smartphones et de toute la créativité que nous pouvions en tirer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain. Ciao, ciao !